podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le chrétien ouvre toute prière en faisant sur son propre corps le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce signe de croix est si important que la Sainte Vierge, régulièrement dans les apparitions, apprend aux voyants à le faire avec grâce, intériorité. Nous nous plaçons en Dieu. Toute la vie chrétienne se déroule à l'intérieur de la Trinité. Et la liturgie le montre. Le Père envoie le Fils pour chercher l'homme et en rappelant le Fils à la vie par la résurrection, il attire l'homme à lui et nous recevons le don de l'Esprit par lequel et dans lequel nous agissons et nous prions, qui est la vie qui nous est offerte et qui est aussi notre communion. Donc nous sommes sauvés par la Sainte Trinité. Ça n'est pas une abstraction, ça n'est pas une histoire réservée aux plus grands théologiens ou à ceux qui connaissent la philosophie. Et la Trinité se révèle d'abord par la croix et sur la croix. Donc la Trinité n'est pas une abstraction, ça n'est pas une idée, c'est notre milieu de vie, c'est l'auteur de notre salut. Des gens ont donné leur vie pour ça. Un empereur a engagé son autorité sur les mots qui disent la Trinité. Si au début du IVe siècle, l'empereur Constantin a rassemblé près de chez lui, à côté de Constantinople, à Nicée, tous les pères, c'était pour éviter la division des chrétiens au sujet de la Trinité, de la question de la divinité du Christ, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'arianisme, l'hérésie du prêtre Arius, qui faisait de Jésus une sorte de demi-dieu, comme on peut imaginer Hercule ou Achille, à moitié humain, à moitié divin. Et ainsi, dimanche, en fêtant la Trinité, c'est le dimanche où nous pouvons savourer de manière renouvelée notre récitation du credo, engendré, non pas créé. Ça n'est pas une créature mi-humaine mi-divine. Ça n'est pas une créature, le Fils est engendré, non pas créé. Il est Dieu, né du vrai Dieu, lumière, né de la lumière. Il est de même nature que le Père, consubstantiel. Dire que le Fils est engendré du Père, qu'il vient du Père, qu'il sort du sein du Père, c'est dire qu'il est autre que le Père, mais il est une image parfaite du Père. Il est Dieu, vrai Dieu. Donc notre foi n'est pas une mythologie. Jésus est Dieu. Et ce qui s'est joué au IVe siècle, c'est que notre religion a failli, c'était un cheveu, elle a failli devenir une religion comme les autres. Alors aujourd'hui, pour garder les fruits du Concile de Nicée, il ne suffit pas de répéter des formules de manière distante en se disant que c'est une théologie très compliquée, mais de bien comprendre que c'est un problème concret. Notre Dieu est unique, il n'est pas un Dieu comme les autres qui protège ses prérogatives et qui a besoin de serviteurs. Nous n'existons pas parce que Dieu aurait besoin de nous. Son amour est riche, il est débordant, il se diffuse. Dieu est une famille d'amour et son projet consiste à nous amener au cœur de cette famille. Et c'est pour ça qu'on doit aimer nos ennemis. Ce n'est pas une question de morale, c'est une conséquence de notre foi dans la Trinité. Nous aimons nos ennemis parce qu'ils ne sont pas nos ennemis. Ils sont nos frères, invités comme nous à faire pleinement partie de la famille de Dieu en vivant de la vie de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et toute notre vie est sur le modèle et à l'image de cet échange trinitaire magnifique entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a toujours un pôle d'activité et un pôle de passivité. Il y a toujours une question de se donner et de se recevoir. Si l'un prend tout, le mouvement de l'amour s'arrête. Si l'un n'est que passivité, la dynamique échoue. Il faut se donner et se recevoir. C'est le rythme de l'amour et c'est dans cette danse-là que nous entrons lorsque nous nous donnons à nos frères en nous recevant de l'amour trinitaire. Dieu est amour, dit Saint Jean, c'est son nom. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.